qui vient facilement retourne aussi facilement que cela est arrivé. Mais tout ce qui vient difficilement reste plus longtemps. Je suis gédé gédé kakmana doumé srognon. Je me souviens comme si c'était hier. Un jeune homme qui était tranquillement à l'école. La Cour pénale internationale a délivré 4 mandats contre 4 personnalités en Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo, un mandat contre lui. La première dame Simone Veil Gbagbo, un mandat contre elle. Le général de Gaulle Blé Bruno, un mandat contre lui. Charles Blé Goudé, un mandat contre lui. La crise est finie. Le chef de l'État de Côte d'Ivoire dit qu'il faut tourner la page de la crise. Il a amnistié Simone Evi Gbagbo. Il a gracié son plus grand adversaire même, le président Laurent Gbagbo. Il a gracié le général de Gaulle Bruno. Sauf Charles Blé Goudé, qui jusqu'aujourd'hui est condamné à 20 ans, dont le compte est gelé jusqu'aujourd'hui, alors que le compte de tous les pro-Gbagbo est dégelé. Pourquoi le chef de l'État de Côte d'Ivoire tourne-t-il la page de la crise ivoirienne et quand il arrive au nom de Charles Blé Goudé, il plie la page? Pourquoi? Je souhaite que cette question-là soit réglée. On ne tourne pas la page de la crise ivoirienne à géométrie variable. Le compte de tous ceux qui étaient des personnalités autour du camp Gbagbo, leurs comptes sont dégelés. Ils ont même repris leur fonction, leur poste à la fonction publique. Moi, jusqu'aujourd'hui, je suis condamné à 20 ans. Moi, jusqu'aujourd'hui, mes comptes sont gelés. Moi, jusqu'aujourd'hui, je suis radié de la liste électorale. Pourquoi? Quel danger représente Charles Blé Goudé jusqu'à ce point pour qu'on tourne la page de la crise des autres et qu'on plie lui sa page? Quel est ce traitement singulier? Quel est ce traitement particulier? Je me sens donc victime. Peuple de Côte d'Ivoire, je me sens victime. Je voudrais souligner cette question-là devant vous. Et je prends l'opinion nationale à témoin. Je prends les ambassades accréditées en Côte d'Ivoire à témoin. Je prends tous les diplomates à témoin. Je prends les organisations internationales de droits de l'homme à témoin. Je me sens victime. Je préfère m'arrêter là. Dans tous les cas, 2025 ne se passera pas sans. Ce qui veut dire qu'à partir de maintenant, de cette seconde, tous les camarades qui ont été nommés prennent officiellement fonction selon les responsabilités qui leur ont été confiées. À présent, je veux que vous alliez vers nos populations, en équipe. Parce qu'un parti politique est en campagne en permanence pour diffuser ses idées. Rejoignez-nous au projet.